Pour apprendre l'emplacement de toutes les notes, comme dans l'exercice qui est proposé, de Do plus 1 est égal à Do dièse plus et Do plus 2 est égal à Ré, Do plus 3 est égal à Mi bémol, comme ça. Il y a aussi une technique visuelle et qui en plus nous aide à développer la dextérité. Je vous montre. Alors ça va effectivement jusqu'à 11, hein, parce que si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Alors, c'est, vous prenez le pouce et le troisième doigt. Je vous montre comment faire la gamme chromatique. Ou non, on va faire que comme l'exercice est proposé. Ta 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 ta. Alors le pouce et le troisième doigt. Là, j'ai pris quand même le cinquième doigt depuis le sol. C'est plus confortable. Voilà. Puis l'exercice qu'il vous propose, ben vous dites dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis après, il propose dans l'autre sens. Alors dans l'autre sens, vous faites avec la main, vous faites c'est le petit doigt qui reste. Vous faites 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et l'octave. Et puis ça, alors c'est très bien d'apprendre ça en octave, comme il le propose. Mais ce qui est le mieux, c'est d'apprendre sur tout le clavier. Que vous repériez toutes les notes de tout le clavier. Alors c'est bien de le faire de cette façon. Ou comme ça. Ou comme ça. C'est égal. Mais ce qui est bien, je vais le faire avec cette version, c'est de faire tout l'ensemble du clavier, aller et retour. Voilà. Et si vous faites par exemple l'exercice qui est proposé avec 1, 2, 3, 4, 5, je vous montre le doigté pour vous faire aller et retour. Alors, au début, alors on va le faire comme ça, on fait pouce. Alors le pouce c'est le 1, le 2 c'est le deuxième doigt, l'index c'est le 2, majeur 3, annulaire 4, auriculaire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 1, 3, 1. 5 octaves, et puis bah là, pas justement, comme il nous propose aussi, d'ailleurs, on peut en fait faire le contraire maintenant, on peut redescendre depuis le Do du haut, mais c'est le petit doigt aussi qui reste et qui fait à chaque fois Do. Tac. Puis ça, si vous faites beaucoup, alors d'abord lentement, longtemps lentement, et après ça vous dégourdit les doigts vraiment. Alors ça c'est des techniques de piano. Bonne journée à vous l'équipe et bon boulot.